Libreville bien engagée sur la voie de la modernisation pour accueillir en beauté la Coupe d'Afrique des Nations de football Orange 2017. La question relative à la bonne organisation de cet événement continental a été évoquée hier au palais présidentiel entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le président de la Confédération africaine de football Issa Hayatou. Le point avec Bienvenue Minko, Hervé Mangumba, presse présidentielle. La CAN 2017 s'annonce. Au salon marocain, en ce jour de week-end, le président de la République reçoit Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football. On a évoqué pas mal de choses, surtout l'organisation de la CAN ici au Gabon en 2017. Et inutile de vous dire que j'ai été agréablement surpris parce que le comité est déjà mis sur pied avec les présidents et les vice-présidents. Et en ce qui nous concerne au niveau de la Confédération, on avait projeté une mission ici à la fin des Jeux de Brazzaville. Et cette mission sera certainement maintenue. Et on viendra avec ce nouveau comité qu'on vient d'installer, de peaufiner l'organisation pour que tout rentre sur les rails. Le patron des instances dirigeantes du football africain est formel quant à la réussite de l'organisation de cet événement sportif, le second du genre en République gabonaise. Vous savez, vous avez l'expérience au niveau du Gabon et vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui aime le football, qui aime le sport. Et je suis sûr, en ce qui me concerne, il ne ménagera aucun effort pour que cette CAN soit un succès comme celle qu'il avait déjà organisée en 2012. Pour un coup d'essai, la CAN 2012 a été un coup de maître. L'édition 2017, quant à elle, s'annonce déjà pleine de promesses et d'ambition dans son organisation.